Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens ont rapporté l'histoire de la rencontre entre Jésus et Zachée? Parce que Jésus, en 3 ans d'activité publique, a rencontré une foule de gens et des personnes dont parfois on connaît le nom, Nicodème, Joseph d'Arimathée, Marie de Magdala. Mais là, non seulement on se souvient du nom, mais en plus, l'histoire de sa rencontre est racontée. Il y a en fait une raison, il y a une raison très précise, c'est que c'est une rencontre qui est typique, je dirais, des gestes et des attitudes provocatrices de Jésus. Jésus était un provocateur, non pas par plaisir, non pas parce qu'il serait, qu'est-ce qu'il faut dire, un marginal socialement, mais c'est parce que Jésus était animé par une image de Dieu bien différente de celle que ses contemporains avaient. Et que son image de Dieu, c'est l'image d'un Dieu d'accueil, l'image d'un Dieu qui ouvre, qui promeut, qui accorde sa bénédiction, et non pas l'image d'un Dieu qui sanctionne et qui interdit. Regardez ce qui se passe là. Zachée, c'est un chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Ça veut dire que c'est, par définition, le personnage infréquentable. Voilà un petit peu d'histoire. Les collecteurs d'impôts, c'était ceux qui étaient placés à l'entrée des villes, ou bien sur les ponts, ou bien sur les axes principaux, et qui faisaient payer un péage, des taxes, à ceux qui passaient, et notamment ceux qui passaient avec des marchandises. Ils prélevaient l'impôt de passage, mais ils le prélevaient pour les Romains. Donc non seulement ils n'étaient pas très populaires parce que chacun devait payer quelque chose, mais surtout, ils étaient considérés comme des collaborateurs qui spoliaient leurs concitoyens pour la puissance occupante. Et il est riche, ben oui, parce que les collecteurs d'impôts, ils gardent une partie des impôts qu'ils récoltent pour eux. Et plus ils récoltaient d'impôts, plus ils étaient donc durs dans le paiement de la taxe, plus ils étaient riches. Donc vraiment, pas de quoi les rendre populaires. Donc Zachée, il est craint, il est détesté, les deux en même temps, et méprisé. Et voilà que ce Zachée, qui habite Jéricho, Jésus va lui faire une proposition. Regardez bien d'abord la manière dont l'évangéliste Luc, parce qu'il est le seul à nous rapporter cette rencontre, la manière dont l'évangéliste Luc nous parle de Zachée. Chef des collecteurs d'impôts et riche, on en a parlé. Mais en plus, il était de petite taille. Alors, c'est un peu paradoxal, à la limite presque un peu ridicule. On voit ce grand Zachée, je veux dire, c'est un homme puissant, c'est un homme détesté, mais en même temps craint. Et il est de petite taille, c'est-à-dire c'est un petit bonhomme. Il est grand, mais c'est un petit bonhomme en même temps. Et il, comme à cause de la petite taille, il ne peut pas voir Jésus, il monte sur un sycomore. Et là, perché sur un arbre, il voit arriver Jésus. Ce qui se passe à ce moment-là, il faut le suivre de près. Parce que Jésus dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Je veux dire que pour la foule qui était là, s'il y avait bien un
type chez qui Jésus devait éviter d'entrer, c'est Zachée. Non seulement parce qu'il est détesté, comme j'ai dit, mais parce que Zachée, par ses contacts fréquents avec les Romains, pour remettre les taxes, pour discuter du montant de ce qu'il devait prélever, Zachée est impur. Et que du coup, en étant impur, il rend impur ceux qui se rendent chez lui et ceux qui mangent avec lui. Donc le geste de Jésus, il est vraiment très très provocateur. Il choisit la personne la moins fréquentable de la ville. Ce qui se passe ensuite est assez logique. La foule dit c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. La foule sanctionne la faute. Ne reproche rien à Zachée, ça, ils n'ont pas beaucoup d'espoir, mais reproche à Jésus d'ignorer, ou pire encore, de ne pas ignorer et de faire ceci, c'est-à-dire de s'exposer à l'impureté. Ça, c'est l'attitude de Jésus qui met en avant un Dieu d'accueil et non pas un Dieu juge, qui met en avant un Dieu qui offre et non pas un Dieu qui sanctionne. Ça, c'est vraiment le propre de Jésus, dont les fréquentations ont heurté ses contemporains, parce qu'il n'y avait pas seulement les collecteurs d'impôts, il y avait les femmes moralement douteuses, il y avait les malades, et les malades d'entre les malades que sont les pécheurs, tous ceux que, pour de toutes sortes de raisons bien pensantes, la société juive de son époque avait placés dans les marges. Jésus, justement, va contacter toutes ces personnes qui sont dans les marges. Zachée, alors, va dire au Seigneur: « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai quadruple. » Quel est le sens de ce que dit Zachée ? Parce que vous savez qu'on peut comprendre cette déclaration de deux manières. Et là, le texte ne tranche pas. C'est le lecteur qui va trancher, mais le texte ne le tranche pas. Soit, comme on le comprend généralement, « Eh bien voilà, dit Zachée, puisque tu t'invites chez moi, moi, par reconnaissance, je vais faire don de la moitié de mes biens et compenser très largement les torts que j'ai commis. » Ce serait une conséquence de l'accueil que Jésus lui demande. Mais on peut lire aussi d'une autre manière. Remarquez que les verbes sont au présent. « Je fais don aux pauvres » et « Si j'ai fait tort, je lui rends le quadruple. » Ce présent, il est intriguant. Ça signifie peut-être, autre lecture possible, Zachée est en train de dire à Jésus « Tu as bien deviné qui je suis. » Ce que les gens ne savent pas, avec leurs étiquettes posées sur les marginaux. En fait, voilà ce que je fais et qu'ils ignorent. Voilà ce que la générosité que déjà maintenant j'exerce. Jésus, du coup, va conclure en disant « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Lui aussi est un fils d'Abraham. » Ce qui veut dire, au fond, Zachée, oui, c'est un fils d'Abraham. Il est au bénéfice de la promesse. Il est au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Et c'est cette venue de Jésus qui permet à Zachée de déclarer sa véritable position, de déclarer sa générosité. Et dès lors, Zachée peut être reconnu contre les étiquettes comme celui qui est parfaitement dans la ligne de ces juifs justes, généreux, ouverts, accueillants, comme lui a été accueilli par Jésus.